province de l'Atlantique, vous qui viennent d'ailleurs au Canada. Moi, je suis vraiment triste de ne pas être avec vous. Je crois que c'est la première ou la deuxième fois que j'ai raté une réunion, mais j'ai pas pu venir cette année. Alors, vous me trouvez dans mon bureau d'écrivain, c'est-à-dire il y a du papier partout, parce que moi, j'utilise encore du papier. Écoutez, ce que vous allez faire là, c'est intéressant pour vous, mais c'est intéressant pour nous tous. Oui, vous êtes bilingue. Oui, ça va vous aider dans la vie. Tout ça, c'est intéressant. Vous allez peut-être avoir des boulots plus intéressants parce que vous êtes bilingue. Mais ce qui est vraiment intéressant, et vous allez le découvrir en parlant entre vous, c'est que vous avez trouvé une manière de vivre deux vies à la fois. Vous êtes dans un couloir dans la vie. Si vous avez une langue et une culture, mais il y a des portes d'un côté de le couloir. Mais grâce au fait que vous avez deux langues, mais plus important, deux cultures, il y a des portes des deux côtés. Et donc, ça double la possibilité de plaisir, d'imagination, d'aventure dans la vie. Je sais qu'on vous a dit qu'il y aura toutes sortes de choses à faire après. Et ça, c'est très important parce que c'est bien d'avoir un week-end où on s'amuse, il faut s'amuser, où on fait des choses ensemble, on rencontre les gens. Je crois qu'on a même peut-être organisé un mariage ou deux dans le passé, au moins les fiançailles. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que vous êtes les agents provocateurs. C'est vous qui devez rentrer dans vos écoles et parler aux autres étudiants dans votre école et professeurs. Et leur parler de ce que vous avez fait, de ce que vous avez appris, des gens que vous avez rencontrés, de ce que vous pensez, de ce que ça veut dire d'avoir les deux cultures. Ça, c'est un travail énorme, c'est un travail fascinant et amusant. Mais nous, on compte sur vous pour faire ça. Et pas simplement faire ça pendant quelques semaines, mais faire ça pendant la vie, comme les gens comme moi et tous les gens de Français pour l'avenir ont fait. Il y a toutes sortes de choses qu'on vous a suggérées que vous pouvez faire. Et je sais que si vous faites ce travail-là, je vais vous écrire à la fin de l'année pour vous parler de tout ça. Mais surtout, j'espère que ça va très bien marcher ce week-end ensemble, d'ambassadeur. Ça veut dire quelque chose. Ambassadeur, c'est un mot qui a un sens. Mais j'espère aussi que je vais vous rencontrer une à la fois, peut-être, ici et là, dans les années qui viennent. Bonne chance et amusez-vous bien.